C'est moi la fille à la question qui a refusé le mariage. Est-ce que le mariage est obligé? Regardez encore la vidéo vous-même. Regardez d'abord là où c'est Pinas qui demandait maman un mariage. Sa tête tient même d'abord là. Regardez d'abord la vidéo là. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez vous-même, mais tout. Voilà. Comme vous avez vu la vidéo là. Il dit que le jour là, on partait seulement acheter quelque chose. Il a dit qu'il voulait manger la papaye. Il a dit que je vais pas demander le prix de la papaye. Et bien le jean. Je pas, je demande le prix de la papaye. Il va me tourner. Je vois que le bon monsieur, il est à genoux pour me montrer la bague. On fait ça. On se marie n'importe comment. Ha. Après, ça finit pas comme ça. Là. Il vient maintenant sur les réseaux. Il dit que comme il a refusé sa main en mariage là, que ma famille rembourse l'argent qu'il a dépensé sur moi. Il a dépensé combien sur moi? Il a dépensé combien? Comprenez ce qu'il est en train de dire ici. Comprenez. Là où je suis en train de demander à ses parents de me rembourser tout ce que j'ai dépensé. Si oui, sinon, moi, je ne sais pas, je vais faire quelque chose que personne ne s'attendait à cela. Parce que j'ai tellement mal, on m'insulte partout, on m'insulte partout. Franchement, on m'insulte partout. Je rembourser mon argent. Ça devient ça dépensé combien? Moi, j'ai. Ça a dépensé combien? Toi et ta famille. Liste tout ce que tu as acheté. Tu as tout acheté. On te rembourse à une chose. Parce que tu dis que tu me donnes 72. 72, ça vous fait quoi? Ouais. Tu dis que tu es bamélégué. Tu es bamélégué pour quelle équipe? Tu me rembourses pas ma dot. Attendez. Tu es bamélégué pour quelle équipe? Moi, je suis. Là où il donne, d'abord, il n'y a même pas d'abord le matelas. Et donc, plus tard, le matelas. Un pauvre bensin, on ne sait même pas. J'ai dépensé. Donc, tu es obligé que me marier avec toi. On m'avait accouché pour lui. Parce que les gens viennent parler que oh, il fallait qu'elle accepte le mariage. Accepte pourquoi? Il dit que c'est. On a fait 2 ans de relation. Il manque. 2 semaines de relation qu'on a fait, il vient mentir aux gens qu'on a fait 2 ans. Je l'ai vu où pendant 2 ans. Mais ce. Parce qu'elle dit que ce qu'il va me faire. Je vais seulement venir lui supplier. S'il ne nous rembourse pas l'argent. Mais vraiment les bêtises. Tu crois que. Moi je suis anglophone, donc moi je vais descendre aussi à Bamenda. Comme il dit qu'il va descendre où c'est où là, à Tchang ou à Bouda pour me faire quelque chose. Moi je vais descendre à Bamenda. Je vais aussi lui faire ce qu'il a envie de chercher. Un sang à l'échelle comme ça là. Bienvenue sur Rosie Crête pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosie Crête est là et vous offre les meilleures mets africaines, européennes et plus précisément camerounais. Rosie Traiteur fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosie Traiteur, le service est impeccable. Ouais, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Bouche de femme, hein? C'est un problème. Bon, on sait que le mariage n'est pas forcé. On sait que le mariage n'est pas forcé. Ma chérie, tu n'étais pas obligée de te marier avec lui. C'est normal. Mais là où tu as dérangé dans cette vidéo, où c'est où tu dis qu'un pauvre Ben Skinner, là où il dort, il n'y a même pas le matelas. Tu dis que vous avez fait 2 semaines. Est-ce qu'en 2 semaines, quelqu'un peut dépenser vraiment sur toi jusqu'à ce que demander à tes familles, à tes parents de lui rembourser? Non, c'est une relation qui dépasse quand même 2 semaines. Qui dépasse quand même 2 semaines, même si ça n'atteint pas 2 ans, oui. Cette relation a duré quand même plus de 2 semaines. Tu l'insultes de pauvre Ben Skinner. Ma chérie, avant, quand tu l'avais accepté comme copain, tu savais très bien qu'il était Ben Skinner. Être Ben Skinner ne veut pas qu'on a raté dans sa vie. Moi, personnellement, j'ai fait le Ben Skinner. Être Ben Skinner ne veut pas dire qu'on a échoué. C'est un passage de la vie. C'est un passage de la vie. Je connais des personnes qui ont été des Ben Skinner et qu'aujourd'hui, ils pèsent lourd. Ils sont vraiment riches. Donc,
Quand tu te mets à l'insulter un pauvre Benskineur, ma chérie, tu n'as pas raison là-bas. Je dis bien, tu n'étais pas obligé de te marier avec lui ou de te mettre en couple avec lui. Mais tu l'avais quand même accepté comme copain. Et vous avez passé, oui, tu as dit deux semaines ensemble. Et tu as quand même mangé la chose d'un Benskineur. Oui. Pourquoi quand ça se gâte, tu viens lui traiter de pauvre Benskineur? Pourquoi? Mais mon frère, je vais aussi te dire, la femme n'est pas obligée de t'accepter, mon frère. La femme n'est pas obligée de t'accepter. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand elle te refuse, ne prends toujours pas en mal. Car tu ne sais pas ce qui t'attend devant comme bonheur. Oui. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant comme bonheur. Je vais te dire un truc, cher frère. Lorsque une femme ne t'aime pas et qu'elle ne t'a jamais aimé, tels qu'en soient les efforts fournis, les bons efforts fournis, elle va voir ça en mal. Elle ne va jamais regarder ton bon côté. Tout ce que tu vas faire comme du bien sera considéré comme le mauvais. C'est ça. Mais mon frère, tu n'as pas besoin de dire que de donner les vectos si on ne te rembourse pas, si tu vas donner 72 heures. Non. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Lorsque tu t'engages à te mettre en relation avec une femme, sache que tu dois dépenser. Mets dans ta tête que non. Tu dois dépenser et c'est très important. Lorsque tu aimes une femme, tu dois dépenser sur cette femme. Tu dois dépenser sur cette femme. Tu dois l'entretenir. C'est normal et c'est normal. Donc, passe à autre chose. Peut-être Dieu t'a réservé une belle femme et une bonne femme devant. C'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur, connaît que ça n'échauffe pas. Partagez la vidéo au maximum. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo, c'est prêt à Dieu. On s'appelle... Pate. Moi aussi, je pense à Pate. Je me dis Dieu, non Pate. I like.